mignon! Et donc, salut à toutes et à tous, c'est Lazare. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau walkthrough. Et le walkthrough de Pokémon Donjon Mystère, équipe de secours rouge, voilà! Donc, bravo à ceux qui ont deviné pour Pokémon Donjon Mystère. Pour les autres, vous n'aurez pas mes bravos, mais dans tous les cas, sachez que vous êtes quelque part dans mon cœur. Hein, j'ai une petite pensée pour vous. Mais vous n'aurez malheureusement pas trouvé le jeu qui fera office de ce nouveau walkthrough. Alors, pourquoi Pokémon Donjon Mystère? C'est tout simple. Tout simplement parce que c'est un jeu sur lequel j'ai passé beaucoup de temps. Le premier du... Attendez, j'ai monté un peu mon son parce que... Les musiques du jeu sont quand même relativement bonnes et... J'avoue que ça me rappellera pas mal de souvenirs de les entendre. Mais juste avant, on va faire un truc pendant que je parle. Faut savoir que c'est un jeu où j'ai passé beaucoup de temps, personnellement sur la version DS. Parce que oui, le jeu était sorti en deux versions, comme un peu tous les Pokémon. Et quand il est sorti, c'était Pokémon et Donjon Mystère, équipe de secours bleu et équipe de secours rouge. Alors attendez, je me concentre parce que... Oui, j'ai besoin de me concentrer pour chercher un truc dans le système. Où est-ce que c'était déjà? Émulateur, voilà, save type. Et là, faut remettre Flash 128K. Parce que vu que c'est un jeu Pokémon, justement, la sauvegarde sauvegarde différemment. Donc bref, faut mettre en 128K sinon on peut pas sauvegarder dans le jeu. Donc ouais, justement, il est sorti en deux versions, rouge et bleu. La rouge était en fait sur Game Boy Advance, donc ça fait sûrement partie des derniers jeux Game Boy Advance. Hein. Et la bleue était sur DS, et moi j'avais la version bleue, et j'ai passé une quantité phénoménale dessus. Et un jour, malheureusement, m'a effacé ma partie, mais je reviendrai sur le sujet. On va lancer la partie, parce que vous allez voir que ce jeu a une petite particularité, celle de nous poser des questions dès le début pour justement nous aider à choisir un Pokémon parmi une liste de genre 9 Pokémon je crois ou 10 je sais plus mais bref il y a un certain type de starter différent en répondant à des questions justement ça va nous choisir un starter le Pokémon qu'on va devenir justement donc écoutez ce que je vous propose c'est qu'on participe à ce quiz ensemble hein, voilà bienvenue ceci est le portail qui mène au monde des Pokémon mais avant de vous laisser entrer j'ai plusieurs questions à vous poser. Je veux que vous y répondiez avec sincérité, voilà, on doit être sincère. On peut commencer, bien sûr, mon cher Thierry. D'accord. Commençons l'entretien. Thierry, c'est plutôt Jean-Pierre. Alors, vous faites du saut à l'élastique pour la première fois. Déjà, ça, j'en ai jamais fait, ça commence bien. Vu que ça fait peur, vous faites un test avec une poupée. L'élastique craque. Sautez-vous quand même. Alors, sincèrement, non. Je ne pense pas que quelqu'un serait assez fou pour sauter après ça. Sincèrement, le gars qui répond oui, là, il veut se casser la tête, le pauvre. Est-ce que vous riez beaucoup? On va pas se mentir, je crois que oui. Bon, ça va, les questions sont pas trop dures, hein. Vous voyez que ça reste basique. C'est la fête de l'été, vous aimez les carnavals? J'avoue que pour le coup, je m'en fiche un peu pour tout vous avouer. Vous sentez-vous misérable quand vous êtes seul? Pas plus que ça. Avez-vous l'impression que vous avez ralenti le rythme dernièrement? Oui, mais pas dernièrement, ça fait 2 ans que mon rythme a ralenti, je trouve. Donc, on va répondre oui, mais voilà, sinon ces derniers temps, oh, le rythme il a ralenti, ça c'est clair. Mais normalement, ça va bientôt repartir, vu que tout se passe bien, que ça reste entre nous. Mais si tout se passe bien, je récupérerai bientôt un travail et je pourrai bientôt retravailler ça. Ah, j'ai hâte. Bref, ça, on verra comment ça avance pour moi. Alors oui, attraper n'importe quel doigt de la main gauche avec la main droite. Alors, hop. Donc moi, ça je vous le dis, c'est l'index. J'attraperai toujours l'index. Alors, le pouce, l'index, le majeur, la numéro, la regular. L'index. Je sais pas pourquoi, mais c'est un tic. C'est toujours l'index que je fais passer comme doigt premier parmi tous mes doigts. Si je dois, c'est mon index. Voilà. Hop là, je fais tout avec mon index. Bref, donc l'index. Alors, est-ce que vous remerciez quelqu'un avec sincérité quand vous vous sentez reconnaissant? Je dis merci sans le dire sincèrement, mais généralement, quand je dis merci, c'est quand même que je le pense. Mais vu que je le dis pas en ayant de la motivation en le disant et en ayant l'air sincère en le disant, je sais pas si les personnes me croient généralement quand je dis merci. Mais généralement, moi, quand je veux dire merci à quelqu'un, je le pense plus que je ne le dis malheureusement. Donc je vais dire non. Même si, voilà, comme je l'ai dit, je le pense. Y a-t-il beaucoup de choses que vous aimeriez faire? Il y a tous des choses qu'on aimerait faire, évidemment. Elles font un garçon ou une fille? Ça, c'est la question qui tue, parce que moi, je suis un garçon, mais ouais, j'aime bien me déguiser, me repasser pour ce que je ne suis pas, bref, je suis un garçon. Vous semblez être, attention, moment de vérité, quel Pokémon on va dire en soi, c'est un bon fou, de type malpoli, ça commence bien. Vous avez tendance à être un peu cynique. Malgré ça, il y a quelque chose de sympathique et adorable chez vous. Je sais pas si je dois bien le prendre. Mais peut-être dites-vous parfois des choses arrogantes qui mettent les gens en colère. Ça oui, ça c'est vrai.
mais sans le vouloir. Ce que je veux dire, c'est que parfois, je dis des choses aux gens en rigolant, et en fait, ils ont l'air de vraiment le prendre sérieusement, donc je me rends compte que je parle un peu trop sans réfléchir avant, mais pourtant, parfois, j'y mets l'intonation, mais ouais, j'en vois juste dire que bon, là, voilà quoi, les... Ouais, bon bah je passe pour un méchant sans le vouloir, c'est ma faute. Faites-vous cette erreur? Où est-ce que les gens vous trouvent trop peu modeste, trop snob ou égoïste? J'en ai aucune idée. Sincèrement, je m'en fiche. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Non, pas spécialement. Hein? Vous me dites de dégager? Mais j'ai jamais dit ça! Mais vous venez me le dire en face! Gloop! Ça c'est marrant, vous voyez? Dans ce jeu, ce qui est cool, c'est qu'au début, les traducteurs, enfin, je pense que c'était dans le jeu de base, mais voilà, ils se sont amusés. Vraiment, ils parlent avec nous. Le jeu parle avec nous, et ça c'est trop bien, quoi. Pardonnez-moi, ces paroles m'ont échappé, je le regrette vraiment. En tout cas, votre attitude cool et distante est ce qui vous définit. J'ai jamais eu l'impression d'être cool et distant, enfin bref. Ça vous rend à la fois insupportable et sympathique. C'est vrai qu'en soi, on peut me décrire comme ça. Quelqu'un de mal poli comme vous doit être, attention, un Pokémon Arco. Bon bah voilà, durant ce War of Fool, les mecs, nous aurons un Arco. Alors, pour ceux qui se demandent, à ma toute première partie, la première fois que j'ai fait Squeeze, j'ai eu un Miaouss, et je dois avouer que ça me définit bien en soi, vu que j'ai quelques côtés assez juifs, donc oui. Mais quand j'ai eu un Miaouss, en fait, je voulais pas Miaouss, moi je voulais un Carapuce, donc j'ai recommencé le test jusqu'à avoir un Carapuce. Et à ma première partie, j'ai fait le jeu avec un Carapuce. Ensuite, vu qu'on m'a effacé ma sauvegarde, j'ai refait le jeu, donc là, je l'avais refait avec un Poussifeu. Et ce coup-ci, je l'avais eu très facilement. D'ailleurs, pour tout vous avouer, avant de faire le quiz, enfin, avant de commencer ce War of Fool, j'ai fait le quiz en me disant tiens, j'ai envie de voir quel Pokémon j'aurais. J'avais eu un Poussifeu, justement. Donc, c'est vrai que le Poussifeu, dans un sens, peut aussi me définir vu que je suis assez stressé de nature, bref. Donc, nous serons avec un Arco. Voici la dernière étape. Qui sera votre partenaire? Choisissez le Pokémon que vous voulez comme partenaire dans cette liste. Et maintenant, je peux choisir un partenaire. Alors, je suis un Pokémon de type herbe. Donc logiquement, vous allez me dire, je devrais prendre un Pokémon de type... feu ou eau. Mais, comme je l'ai dit, c'est un Pokémon qui se contre, mais vraiment qui se contrebalance des types de Pokémon. Donc ce que je veux dire, c'est un Pokémon plante pourra battre un Pokémon légendaire de feu très facilement, je veux dire, il n'y aura pas de problème. Ça ne se basera vraiment pas sur les types. Ils seront un peu mis en avant, mais vraiment tellement peu qu'on les remarque pas, on n'y fait pas attention, quoi. Alors, comme Pokémon allié dans mon jeu, moi je vais choisir... Alors, écoutez, je vais faire comme à ma toute première partie pour essayer de vraiment remettre dans le bain, je vais choisir un Salamèche. Parce que j'adore le Salamèche. Les Salamèches, ils ont une petite voix trop carrée. Salut, c'est Salamèche. J'ai toujours kiffé les Salamèches. C'est trop choupi. Alors, j'ai une peluche Salamèche. Putain, j'ai l'impression d'être une meuf. Là, faut que je me calme. Ouais, sinon, j'ai une peluche Salamèche qui orne le dessus de mon lit depuis des années. Bref, donc voilà, je vais prendre un Salamèche comme à ma première partie. Quel sera le nom de votre Salamèche? Enfin, de votre partenaire. On va pas l'appeler Salamèche, on va lui donner un nom quand même. Et on va l'appeler... C'est un partenaire. J'ai pas réfléchi à un nom avant. Merde. C'est quoi? Un nom de partenaire. Bon allez, c'est quoi? Faut savoir que de base, la personne qui m'a conseillé de faire ce jeu, parce que je... En fait, on était sur Skype et on discutait avec plusieurs personnes. Et justement, je vous ai dit, vous avez vu, il y a le prochain Donjon Mystère qui sort sur 3DS, blablabla, enfin qui va sortir, il a annoncé tout ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que le trailer du jeu, bah, la version japonaise, il y a la voix de Yuri de Tales of Vesperia dedans. Ouais, c'est marrant. Et pour un Octaline. Et le truc, c'est que justement, vous avez fait le Pokémon Donjon Mystère parce que ce jeu, il est trop bien. Sérieusement, les mecs, si vous l'avez jamais fait, que vous êtes fan de Pokémon, faut que vous y jouiez. Et en fait, justement, les trois personnes avec moi, c'est-à-dire Chiba, Zalsandfus et Shizumal, aucun ne l'avait fait. Et ça m'a choqué déjà qu'Alsandfus n'ait pas fait. Alsandfus, en fait, il se préoccupe que des Pokémon principaux, les spin-offs, ils s'en branlent un peu. Justement, du coup, ils les ont commencé, ils ont plutôt accroché. Et bah, du coup, justement, Alsandfus m'a dit, pourquoi tu ne ferais pas un Wokfu? Donc voilà, bah. J'ai dit, putain, c'est pas con. Donc, voilà, maintenant je vais faire un War of Fool. Et donc, du coup, on va appeler mon partenaire Alsandfus. Alsandfus, durant ce War of Fool, tu seras mon partenaire et tu seras un Salamèche. Salamèche. J'aurais peut-être à la limite dû prendre un Pikachu pour Alsandfus, mais c'est pas grave. En fait, j'avoue, je voulais prendre un Salamèche pour m'en mettre dans le bain, mais si j'appelle le partenaire Alsandfus, ça va tout sauf me remettre dans le bain, ça. Du coup, j'ai bien envie d'attendre le jeu. Me débarrasser du Salamèche et de prendre Pikachu. Oh, on s'en fout, ça quoi. Allez hop, c'est bon, on commence. Le nom Alsandfus est-il correct? Oui. Bien, tout est prêt.
Il est temps de vous envoyer dans le monde des Pokémon. En avant! Alors attendez, c'est un Arco. Quelle voix je donnerais à un Arco? Arco, c'est dark, tu vois. Arco, c'est un peu émo. Ah, où suis-je? Bah non, en fait, je suis con, c'est moi, donc je parle avec ma voix normale. Est-ce que je rêve? Il y a une légère brise. C'est agréable. Oh, j'entends une voix. Je joue peut-être un peu trop le. Je surjoue trop là, je crois. Qui est-ce? Eh oh! Bon, t'as assez dormi, hein. Allez, réveille-toi! Alors, c'est un salamèche, donc du coup, même si c'est le Sandfous, faut quand même que je lui fasse une voix. Alors, les salamèches, c'est que ça parle un peu. Salamèche! Salamèche! Tu travailles enfin! Génial! Oh, ça va bien. Où suis-je? Eh! Tu étais à terre sans connaissance, et je suis content que tu te réveilles! Je suis le Sandfous, content de te rencontrer. C'est pas le Sandfous qui serait aussi heureux en me rencontrant. Et tu es... C'est la première fois que je te vois. Hein. Quoi? T'es un humain? Mais tu ressembles à un Arco à tout point de vue. Hein. C'est vrai? Je suis un Arco. Mais pourquoi? Je ne me rappelle de rien. T'es un peu étrange, hein? Bon. Tu veux bien me dire ton nom? Mon nom? Mon nom est... Eh bien c'est simple mon cher, je m'appelle Dazer, Dazer, le seul et l'unique en avant. Parce que tu sais quoi? Pokémon? Get ton Dazer! Voilà. C'est tout ce que je voulais juste te dire. On est parti. Alors, le nom Dazer est-il correct? Oui mon cher. Oh, Dazer est ton nom, Dazer. Eh ben... C'est un nom marrant! Je t'encule! Quel enfoiré! S'il vous plaît, à l'aide! Hein? J'ai entendu crier par là. Qu'y a-t-il? Mais c'est horrible! Mon chenipan est tombé dans une grotte! Mon pauvre bébé! Je suis à fond dans les voies. Hein. Quoi? Une énorme fissure s'est ouverte dans le sol! Mon chenipan est tombé dedans! Il est trop jeune pour ressortir tout seul! Et lorsque j'ai essayé de l'aider, des Pokémon m'ont attaqué. Hein? Vous avez été attaqué? Par d'autres Pokémon? Peut-être qu'ils sont collés à cause de la fissure. En tout cas, ils sont fous furieux. Je ne suis pas assez forte pour affronter tous ces Pokémon sauvages. Que va-t-il advenir de mon bébé? Oh, que dois-je faire? Je ne sais plus où j'en suis. Ça a l'air grave, et nous devons les aider. Comme ça, on y va, nous on est des ouf. Et donc voilà, Pokémon Donjon Mystère, progrès, bon oui, ça c'est le tutoriel, on s'en branle. Pokémon Donjon Mystère, en fait, c'est justement un jeu de dungeon RPG, et c'est ça que j'ai surkiffé. Quand j'ai... Déjà sachez que de base, la première fois que j'ai entendu parler de ce jeu, j'ai... je sais même plus en fait comment, je crois que c'était sur le jeuxvideo.com peut-être. Je ne sais plus trop la mettre, ce monde, ouais voilà, les moyens de ce monde, d'appel de Pokémon, on a de l'argent, tout ça, bref, on verra ça plus tard. En fait, ouais, voilà, quand j'ai connu ce jeu de base, faut savoir que j'ai vu le synopsis de jeu du base. Voilà, bon, vous êtes un humain qui se réveille, vous avez un questionnaire pour définir quel Pokémon vous allez être. Et une fois que vous devenez justement votre Pokémon, après, vous allez devoir créer une équipe de secours et sauver donc d'autres Pokémon. Et quand j'ai lu ça, le principe de devenir un humain qui devient un Pokémon, je me suis dit putain, Motherfucker, je veux ce jeu. Parce que rien que pour le principe de changer trait pour trait le jeu Pokémon pour en faire un donjon RPG, quand j'ai entendu ça, je me suis dit putain, mais ça a l'air énorme, ça a l'air excellent. Je me suis dit, je veux jouer au jeu. Donc c'est pour ça que dès que j'ai entendu ça, j'ai eu le jeu. Et quand j'ai eu le jeu, alors les mecs, oh, c'était magnifique. Vraiment, je crois que c'est le jeu Pokémon sur lequel j'ai passé le plus de temps en étant sincère avec vous. Vous vous rendez pas compte les heures que j'ai passées sur ce jeu. Vraiment, quand j'ai perdu ma sauvegarde, j'avais mal au cœur. J'avais vraiment mal au cœur parce que j'ai pas juste passé des tonnes d'heures sur ce jeu comme on passerait du temps sur un jeu normal. Non, vraiment, ce jeu... Est-ce que je peux vous... Non, je vous le dirai. C'est quoi? Il faudra que je vous dise un truc, mais je ne vous le dirai qu'à la fin du jeu. Donc, Elsonfus, Jibaz et Shizuma savent de quoi je parle, mais surtout, ne spoilez pas cette chose. Je ne le dirai qu'à la fin du jeu. Sachez que j'ai hâte de le dire, donc d'ici là, on verra.
Mais en tout cas, j'aurai un truc à vous dire à la fin de ce jeu qui fait que j'ai vraiment énormément accroché à ce jeu. Mais sachez que voilà, l'histoire du là, l'humain qui devient Pokémon, ça va vraiment être le truc principal du jeu. Et on va justement devoir savoir qu'est-ce qui nous est arrivé en montant une équipe de secours, et du coup on est dans les Pokémon. Donc voilà, le principe c'est qu'on va aller dans des donjons, et dans les donjons on devra aider les Pokémon ou faire diverses missions, comme par exemple aller à tel étage pour sauver un Pokémon qui s'est perdu, ou aller chercher un objet à tel étage, ou je sais pas, aller tuer des Pokémon. Non, y a pas, je crois pas qu'il y ait une mission où il faut tuer des Pokémon, ça c'est un peu dégueulasse quand même. Je pense pas qu'il y en ait de tête, mais bon bref. Alors bon, là, elle s'en fout si level up. Vite fait, on va parler quand même du menu. Parce que bon, vous voyez qu'en fait, c'est un dungeon RPG pur et dur. Hein. Pour ceux qui connaissent pas les dungeon RPG, évidemment, si on se promène dans un donjon, voilà, on est libre, on se déplace. Quand on ne bouge pas, absolument rien dans le donjon ne bouge. Et en fait, c'est pas du tout réel. C'est-à-dire que rien ne bougera tant que quand j'avance, en fait, tout ce qui se trouve dans le donjon devient vivant. Tout vit. Par exemple, s'il y a un Pokémon, voyez. Imaginons, là je suis tout en bas dans le coin, vous voyez, imaginez tout en bas à gauche, il y a un Pokémon dans le coin, il ne bouge pas tant que je ne bouge pas. Même si je fais qu'une attaque, vous voyez, bah, là, le donjon vous bouge. C'est-à-dire qu'aucun Pokémon ou être vivant du donjon ne fera d'action. Il y a que des Pokémon, donc c'est con que je dise être vivant. Mais rien ne fera d'action tant que je ne bougerai pas, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça les bases pour ceux qui s'y connaissent pas en dungeon RPG. A savoir que de base, les vrais donjons RPG, c'était pas comme ça du tout. Hein. Ce que je veux dire, c'est que... bon, c'était comme ça, quand tu bouges, tout bouge dans le donjon, mais c'était pas en vue du dessus. Les vrais donjons RPG, tu vois à la première personne. Comme un peu Etrian Odyssey sur DS, ça c'était vraiment un jeu qui reprenait les bases des anciens dungeon RPG à l'ancienne. Je sais pas si vous avez connu justement les vieux dungeon RPG sur PC, où tu voyais la vue du mec, et sur les côtés t'avais des murs, et quand t'avançais, c'était les murs qui reculaient. C'était vraiment ça, c'était les tout premiers dungeon RPG. Et je crois que justement c'était des jeux qui de base reprenaient un peu le principe de Donjons et Dragons, les jeux de société sur rôle sur table, il me semble, là j'ai peut-être une connerie. Bref, en tous les cas c'était des jeux très prononcés dans lesquels on pouvait vraiment perdre beaucoup de temps si on se laissait aller. Sinon pour le menu, parce que vous voyez qu'on a un menu effectivement, voilà, on a notre interface, à gauche on a notre map qui apparaît justement en transparence sur au-dessus de nous pour pas nous gêner, voilà, à savoir que sur DS c'est sur un autre écran il me semble. En haut, alors E, moins 2, c'est notre position dans le donjon, on est au moins deuxième étage. N6, ça, je dois vous avouer que j'ai aucune idée de ce que c'est. Putain, quand j'appuie sur Select, ça éteint la lumière. Ah non, c'est pour mieux voir la carte, ok. Start, ça c'est pour si j'ai un truc à lancer en fait, ou si je veux lancer une attaque d'un côté précis, en fait, vous voyez, c'est pour vraiment viser où je veux. Par exemple, si je veux tirer en diagonale, bah hop. Et voilà, je peux tirer en diagonale sans avoir à perdre un tour en me déplaçant vers le haut. Vous voyez, sans me tourner en haut, sans poser de problème, hop, j'appuie sur Start, et hop, je peux tirer en diagonale. Ensuite, PV, bon, bah, c'est les PV. À droite, on voit ma barre de PV, la ligne verte. Voilà. Ensuite, alors, pour accéder au menu, c'est B. Ok, forcément c'est moins intuitif que sur DS, vu que sur DS, il y a plus de boutons. Alors, capacité, bon, forcément, c'est pour faire des attaques, et normalement... si je dis pas de bêtises, il y a moyen voilà, de faire un raccourci. Alors, le raccourci c'est. Select. Non. Oui, quand on appuie sur R, c'est aussi le bouton rapide pour viser en diagonale. Attendez, mais le raccourci. Ah voilà, le raccourci c'est L plus A. Voilà, ça nous permet de faire un raccourci. Donc, forcément, on peut utiliser des capacités. Même si. Attendez, j'essaie de. Allez! C'est bizarre, parfois j'ai pas. J'appuie sur B. Ah ok, en fait, quand on reste appuyé sur B, ça fait qu'accélérer le donjon. Normal, ça c'est comme sur DS. Mais faut appuyer sur B, comme ça, d'un geste. Et après, ça fait apparaître le menu. Alors ensuite, donc voilà, les capacités, on les a vues. Bon, les objets, parce que bon, on n'a pas encore, mais plus tard, on pourra avoir des objets. Faut attendre notre boîte à objets. Équipe, bon, on va pouvoir notre équipe parce qu'on pourra recruter d'autres Pokémon. A savoir, je sais pas si on. Ouais, on peut pas encore, mais en fait, on pourra. Une fois qu'on aura terminé le jeu, changer de Pokémon qu'on contrôle, voilà. Autre, là, bon bah c'est les options, blabla. On va voir les options vite fait. Autre. Ah voilà, fond. Ouais, ça c'est le fond. Sincèrement, je le préfère en bleu. En bleu ou en vert, on va laisser en bleu. Ça a été plus agréable à l'œil. Voilà, donjon. Course rapide. Coéquipier loin, seul, voir, mais de toute façon je laisserai jamais ça. Parce qu'on peut se séparer de son coéquipier, mais si c'est ça, c'est très dangereux. Du coup, seul.
Pivoter dégâts, oui. Gré, oui. Carte, transparence, ouais. On peut ne pas la mettre, hein, mais c'est très chiant. Donc, transparence, hop. Et en fait, non, ne pas changer les paramètres, vu qu'il y a rien modifié. Registre du message, l'objectif, bon, ça c'est, ouais, bah voilà, les objectifs. Rien de bien compliqué. Au sol, ça c'est pour ramasser ce qui sur la case qu'il y a devant nous, ou au sol, ou sur nous, je sais plus. Bref. Et le but du jeu, justement, c'est d'avancer les donjons à travers les escaliers. Donc, le but, c'est de se promener dans un donjon, enfin, dans un étage, pardon. Trouver un escalier et de descendre au plus profond à chaque fois. Donc, là, on est dans les petits bois. Sachez que le début du jeu est très simple. Donc, ouais, dans les petits bois, on va devoir retrouver Shonipan au début. Après, on aura d'autres missions qui nous seront posées par la suite. Bon, là, une baie. Hop, attendez. Voilà, vous voyez, j'ai tapé dans le vide pour faire avancer le tournegrin. Justement, c'est le principe de... Si je me serais avancé, en fait, il aurait attaqué. Donc, pour qu'il perde son tour et que moi, j'y gagne un tour, je tape dans le vide. C'est les techniques de base du jeu. Et bah, moi aussi, je peux te faire vol VIP, PD. Voilà, tu l'as pas vu venir, hein. Je regarde des PV, c'est cool. Donc là, je ramasse une baie orange qui ne sert en soi à rien, vu que je n'ai pas de... Non, mais casse-toi, toi. Vu que j'ai pas d'objet. Ah, si, je peux quand même avoir un objet. Bon, bah, je peux manger. Et normalement, alors voilà, voyons en bas, il y a nos statistiques, 2h33, bon là, elles sont de plus 33, ça c'est nos PV. Et estomac, l'estomac c'est très important, en fait, quand il arrive à, tant qu'il est, notre estomac n'est pas à zéro, on récupère des vies quand on se pointe dans un donjon, mais dès qu'il arrive à zéro, là on va perdre nos vies graduellement. Donc forcément, l'estomac c'est un peu aussi relié à notre barre de vie. L'argent, voilà, le temps qu'il fait, ça on s'en fout un peu, et le temps qu'on a joué. Voilà, voilà, on a vu un peu tous les menus, donc bon, et le jeu ça se déroulera comme ça, du début jusqu'à la fin, c'est justement, bah... Jusqu'à ce qu'on finisse le jeu, essayer de trouver qu'est-ce qui est arrivé à notre héros. Et ensuite, évidemment, le jeu ne sera pas fini. On pourra malgré tout toujours continuer. Vous voyez, on peut récupérer qu'un objet à la fois. Ça, c'est parce que j'ai pas de boîte. Mais malgré tout, si je me mets sur l'objet Béoran, je peux après mettre au sol et le manger. Miam. Ça me remplit toujours l'estomac, j'ai envie de dire. Il faut très souvent manger ce qu'on trouve au sol, ça nous remplit l'estomac. Et c'est très bon d'avoir l'estomac rempli dans ce jeu. Comme dans la vraie vie d'ailleurs. Hein. Si vous avez l'estomac vide, c'est pas bon du tout. Alors, hop. Là, 1-9. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est vu que c'est des Pokémon d'encore de génération jusqu'à Ruby Saphir, je devrais encore à peu près connaître les Pokémon parce que maintenant, les Pokémon, même si j'ai joué aux dernières versions, sincèrement, je crois que j'ai joué à toutes les versions de Pokémon. Enfin, je dis ça, mais j'exagère un peu vu que j'ai surtout fait les remakes des anciennes versions. Mais ça me permettra un peu de parler de ce que j'ai fait niveau Pokémon, parce que j'en ai jamais parlé jusqu'avant dans mes vidéos, il me semble. Mais moi, j'ai pas vraiment été gâté niveau Pokémon, bref. Ouah, ouah, maman, où es-tu, Sniff? Nous sommes là pour te sauver. Hein? Ta maman t'attend, sortons d'ici. D'accord. Le mec, tu sais, il arrive. Ah, vous me sortez, c'est cool. Mon bébé, ça va sauf. Je ne sais comment vous remercier. Oh, je vous en prie. Ah, ça est devenu dangereux dernièrement avec toutes ces secousses, c'est sûr. Ça nous fait plaisir d'avoir pu rendre service. Bii, s'il vous plaît, dites-moi vos noms au moins. Mon nom est Sulfurs. Et voici Lazare. Oui, le héros parlera pas des masses dans la voiture, mais il lui arrivera quand même de parler, hein. Faut pas non plus exagérer. Attendez, je bois un coup. Ah, ça fait du bien de boire. Désolé si vous avez entendu mon petit rototo. Et ça fait du bien, putain. Ah, donc quoi, comme je disais, le héros peut parler, mais tout au fil de l'aventure, il parlera pas des masses. Mais assez pour qu'on s'y attache quand même assez. En tout cas, déjà plus que dans un vrai Pokémon où on se tape un héros muet, que je déteste, sincèrement. Le jour où il y aura un Pokémon où le héros peut parler, je serais content, putain. On lâche Shonipan qui en kiffe parce qu'on l'a sauvé. Cool. Le mec en kiffe, quoi. Il me regarde avec adoration. Ses yeux brillants, c'est un peu gênant. Mais c'est pas mal non plus, j'ai l'impression d'avoir accompli un acte héroïque. Aider des Pokémon en difficulté, c'est une expérience plutôt agréable. Merci, elle s'en fout, ces lasers. Bii, je ne sais pas grand chose, je sais que c'est pas grand chose, mais voici un gage de notre gratitude. Acceptez-le, Bii. L'équipe de Dazer reçoit Béoran en récompense, mais c'est génial. L'équipe reçoit aussi Bé Pécha. Bon, voilà, on gagne souvent des baies. Hein. Et parfois un peu d'argent, mais surtout des baies. Et on en aura besoin, donc tant mieux. Bii, merci beaucoup, au revoir. Moi, j'ai utilisé surtout les baies pour remplir l'estomac. Enfin, j'aimais bien les baies qui nous rendaient des vies, mais sinon, c'était surtout pour l'estomac. Merci pour ton aide. T'es balèze, c'est impressionnant. C'est pas le vrai le sans-tout, ce qui me dirait ça. Alors, que vas-tu faire? T'as des projets? Ça parle des bases dans le jeu. Écoute, Dazer, si tu n'as aucun endroit où vivre, tu devrais venir avec moi.
Je crois qu'elle s'en fout, essaie de me faire des propositions plus qu'étranges. Mais que ça reste entre nous. Eh bien, on y est. Ah ouais, il a une putain de maison. Tu sais, le mec, c'est un salamèche, il vit dans une maison en herbe. Logique, il a pas peur que sa maison crame. Waouh. Je sais pas pourquoi, mais je me sens bien. Je suis un humain, mais j'aime ces endroits. Je m'y sens étrangement bien. Vous êtes quelque chose d'instinctif chez les Pokémon. Si je m'écoutais, je sauterais dans tous les sens. En tout cas, je me sens bien. Je crois qu'il se sent bien. Peut-être que je ressens ça parce que je suis un narco. Alors, Nazur, ça t'impressionne, t'as vu? Mais je savais que cet endroit te plairait bien, Nazur. J'étais sûr que tu allais adorer. Ça, c'est ta boîte en lettres. C'est ici que t'as livré le courrier que les autres Pokémon t'envoient. Tu te souviens de la crevasse dans laquelle Snippon a chuté? Pour une raison inconnue, il y a eu de nombreuses catastrophes naturelles du même ordre récemment. À cause de ces catastrophes, beaucoup de Pokémon ont besoin d'aide. Et je veux aider les Pokémon à surmonter ces difficultés. Je veux faire en sorte que tous les Pokémon vivent en paix. Alors, j'ai aimé ta façon de réagir pendant le sauvetage de Snippon. Faudrait-tu te rejoindre à moi pour une équipe de secours? Tazer, avec toi, on pourrait même devenir la meilleure équipe de secours au monde. Qu'en dis-tu? Alors sincèrement, je me demande ce qui se passe si on refuse. Mais en même temps, c'est pas comme si on avait le choix, tu sais, le mec a pas dans ce rapport. Hey, tu veux faire une équipe de secours? Ok. C'est cool, quoi. Bon, allez, on va pas faire de bâtard, on va accepter. Ouais. Je te demande si gentiment. Parfait, c'est décidé, alors. Désormais, nous sommes partenaires, d'ailleurs. Je te souhaite la bienvenue à bord. Non, mais c'est pas un bateau, hein. Oh, il nous faut aussi un nom pour l'équipe. Alors, d'ailleurs, t'as une idée? Bah, c'est simple. Comme le dit l'opening japonais de Pokémon, Ghetto Dazer, donc c'est mon ghetto. Je sais pas comment ça s'écrit ghetto, hein, mais bon, je suppose que c'est comme ça à peu près, voilà. Pokémon, Ghetto Dazer. Enfin, je crois que c'est plutôt Ghetto Dazer, mais voilà, ça revient au même vu que ça s'écrit Dazer, je crois, bref. Donc voilà, j'aurais pu à la limite appeler ça Dailymotion comme à mes habitudes, mais là non, j'ai envie de Pokémon, Ghetto Dazer, donc c'est mon ghetto, et puis c'est tout, c'est l'équipe ghetto. Pokémon, Ghetto Dazer. L'équipe ghetto. Ah, j'aime bien, c'est un bon nom, il est parfait pour nous. Ça tu l'as dit, surtout pour moi. Équipe ghetto, on commence dès demain, chouette. Yeah. Et c'est ainsi que Dazer et Alson Fuss commencèrent leur carrière de secouriste et créèrent ensemble leur équipe de secours. Et c'est ainsi que commence le jeu Pokémon Dungeon Mystère, équipe de secours rouge. Mais c'est aussi comme ça que commence le bleu. Il y aura tous les autres après, je sais pas, moi j'ai fait que Pokémon bleu. Parce que j'avais pas envie de faire les autres après. Voilà, les autres ça commençait à aller sur d'autres générations, donc ça m'intéressait moins. Par contre le prochain sur 3DS, celui-là, ne vous inquiétez pas que je pense vraiment le prendre. Vu que ça fait, bah, vu que le seul que j'ai fait de Pokémon Dungeon Mystère, c'est celui-là justement, l'équipe de secours bleu. J'ai hâte de voir s'il y a eu des nouveautés ou pas depuis le temps. Voilà, histoire de voir si ça a vraiment évolué. Et si c'est toujours aussi bien, ce que j'espère, mais ça, normalement, il n'y a pas de problème. Le lendemain matin. Je n'ai pas changé. J'ai bradé et je suis toujours un narco. Pourquoi suis-je un Pokémon? J'y comprends rien. Je me sens patraque, j'ai sommeil. Je me sens mal, je dois dormir. Ok. Ouais, le lit c'est pour sauvegarder, donc on va faire une petite sauvegarde histoire de savoir mon cours. La sauvegarde a échoué. What? Je sais pas logique. Ah, je sais pourquoi, attendez. Putain, mais forêt boucle émulateur. Ah, je me sens mieux. J'ai toujours l'apparence d'un Pokémon, mais. C'est vrai. Ce Pokémon. Je crois que c'était le Sandfous. On a décidé de former une équipe de secours ensemble. Je me demande ce que fait le Sandfous. Je devrais sortir. Alors sincèrement, je préfère mieux ne pas savoir ce que fait le Sandfous actuellement, bref. Alors attendez, du coup. Faire une save state. Parce qu'en fait, je vous l'explique. Faut redémarrer le jeu. Si on veut que. Hop. Et normalement là la sauvegarde marchera. La sauvegarde a échoué. Tu te fous de ma gueule, alors attendez. C'est quoi? On va carrément éteindre l'émulateur. Et je veux que la sauvegarde marche, moi. Relancer. Hop, on charge. Et maintenant, normalement, la sauvegarde a échoué. Attendez, alors dans ce cas, c'est un truc. Attendez, ça voudra dire que le jeu. Est-ce que c'est déjà émulateur? Safe type. C'est-à-dire que le jeu, c'est un 64K. Allez,
Voilà, sauvegarde. Sauvegarde des choux. Ok, je comprends pas pourquoi la sauvegarde des choux, bref. Dans tous les cas, c'est pas grave, vu que normalement on n'aura pas besoin des sauvegardes dans ce jeu, donc on fera sans. Je sais qu'à la fin, ils nous demandent de sauvegarder, mais normalement on peut les viser, donc c'est pas grave. Ouais, donc on fera sans. Bon, on va simplement sortir et normalement on va revoir notre cher ami Elshenfush. Qui roupit devant la porte tranquille. Ah, oh mince! Pardonne-moi! Le vrai Elshenfush, il ne pas comme un con comme ça tout seul devant la porte. Hein. J'étais trop nerveux alors je me suis levé aux aurores pour venir t'attendre. J'ai dû piquer du nez. Enfin bref, aujourd'hui marque le début d'une autre équipe de secours, faisons de notre mieux. Mais rien de presse, nous n'avons pas encore reçu de demande. Loser. Oh attends, il y a peut-être quelque chose dans la boîte aux lettres. Tu sais, comment il peut savoir qu'on a pas reçu une demande s'il a pas radé de la boîte aux lettres? Elle s'en fout, sera dans la boîte aux lettres. La boîte aux lettres contient un kit de secours qui nous sera très utile. Je savais qu'il serait là. C'est le kit de secours. On t'en envoie toujours un quand tu formes une équipe de secours. Elle s'en fout, s'ouvre le kit de secours. Il contient un badge de secouriste. Il contient une boîte à outils. Il contient aussi un numéro de journal Pokémon. Journal Pokémon, c'est notre journal quotidien. On l'aura tout au long du jeu. Assez sympathique, ma foi. Oui, c'est plein de choses utiles. Il y a plein de trucs là-dedans. Tout d'abord, le badge secouriste. Il prouve que tu fais partie d'une équipe de secours. Ça, c'est une boîte à outils. Elle sert à transporter des objets que tu trouves dans les donjons. Pétons-y, j'ai oublié que nous a donné Papillusion. Les objets sont utiles, nous pourrons les styliser lors de nos missions. Et le journal Pokémon, il est plein de conseils utiles aux équipes de secours. Je remets le journal Pokémon de la boîte aux lettres, tu devrais le lire à l'occasion. Rien d'autre? Pas de lettres? Et je vais rader. Parce que t'as pas encore radé encore. Elle s'en fout sur dans la boîte aux lettres, mais elle est vide. Comme les poubelles dans Pokémon. Pas une seule lettre. Normalement, on reçoit des demandes de sauvetage par courrier. Mais personne ne nous connaît parce qu'on vient de créer l'équipe, j'imagine. Flap, flap, oula. Faire gaffe, parce que ce son, ça peut être trompeur, si je puis dire. Plop. Ouais, et tous les matins, quand on se lèvera, on verra justement ce cher Becky Pan nous apporter le courrier. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, justement, maintenant on peut fouiller nous-mêmes dans notre boîte aux lettres. S'il te plaît, Dazer, prends le courrier. Bah, c'est ce que j'allais faire, du calme. Dazer, regarde la boîte aux lettres. C'est peut-être une demande de sauvetage. Qu'est-ce que ça dit? Dazer lit la lettre. Bzz, 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 bzz. Chenipan m'a parlé de vous. S'il vous plaît, aidez-nous à magnifier les ennuis. Un étrange vague électromagnétique a jailli d'un donjon. Et colle ensemble Magnéti et Magnéti. Ah, ok. Deux Magnéti sont collés ensemble, ok. Ce n'est pas ainsi qu'on forme un magnéton, il n'est pas fini tel qu'il est maintenant. On a besoin d'aide, bzz, 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 un ami de Magnéti. Qu'en dis-tu, on y va? On n'a pas le choix, c'est notre seule mission. Ça, c'est une réponse de secouriste. Yeah. Donc voilà. Putain, c'est cas direct, quoi. Je voulais pas forcément y aller maintenant, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes là. Mes amis sont dans cette grotte. Mes amis devraient être à l'étage, moins 6, s'il vous plaît, et d'aller. Bon, du coup, on va les aider. Hein. On est des rapides, nous. Hein. Direct, on est cash, on y va comme ça. Bon, de toute façon, les étages s'enchaînent assez vite. Hein, et le jeu est relativement simple. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que j'ai réussi à accrocher à ce jeu, c'est parce qu'il est assez simple. Parce que, comme dit moi, vous avez tout le monde dit les Pokémon, oh, c'est facile. Mais sincèrement, si tu joues et que tu connais pas les types de Pokémon, je trouve pas ça, c'est déjà beaucoup moins facile. Surtout si tu joues pas avec une équipe équilibrée. Mais en soi, l'équipe équilibrée, ça va, on va dire que ça. C'est un truc que tu fais de base dans un jeu Pokémon, quoi. Pas de problème à ce niveau-là. Donc, du coup, on va essayer de trouver la porte d'entrée. Ah oui. Parfois, ça me fera ça, hein. C'est quand j'accélérerai, j'avancerai un peu trop et du coup, mon coéquipier se fera attaquer. Mais ça, c'est pas la mort. Du moment qu'on n'est pas séparés, ça va. Cette flèche par terre, ça c'est quand on se tape un malus niveau statut, on va dessus et notre statut redevient normal. Voilà, les stats de Zeller restent inchangés. Donc là, j'ai pas de problème de statut, donc c'est parfait. Donc, ouais, justement, je disais tout à l'heure quand on était coupé par la fin de donjon, justement, par les cinématiques qui discutaient, que pour une fois, en fait, bah, je pourrais enfin, vu que je fais un jeu Pokémon, parler de moi, ce à quoi j'ai joué niveau Pokémon. Parce que. Je sais pas si vous avez remarqué, mais moi je parle pas souvent de Pokémon. Alors pourtant, Pokémon c'est quand même quelque chose que les gens apprécient, ils en parlent un peu partout, voilà. Et pourquoi je ne parle pas de Pokémon, moi? Qu'est-ce donc qui me repousse à ce point? Mais non, c'est pas que je suis repoussé de Pokémon. C'est plus qu'on va dire que. J'ai pas été autant bercé par Pokémon que.
l'a été la génération d'où je viens, malheureusement pour moi. Ce que je veux dire, c'est que moi, en fait, quand j'ai commencé en Pokémon, bah déjà, tous mes copains avaient Pokémon, c'était la fête, ouais. Moi, tout le monde avait Pokémon, sauf moi. Donc moi, je voulais Pokémon, mais déjà, à l'époque, j'avais pas des jeux très souvent. Voilà. Je pouvais demander, mais j'étais pas du genre à réclamer mes parents, parce que je sais pas, je trouve que ça se fait pas, tout simplement. Donc du coup, moi, quand je voulais des choses, je les avais à mon anniversaire. Et moi, bah, mon premier Pokémon, c'était Pokémon Jaune, je l'ai eu, bah... Il me semble qu'il est sorti pas longtemps avant mon anniv, donc je l'avais eu à mon anniv, j'étais content. Alors les pommes, ça c'est l'objet ultime pour se remplir l'estomac. Tu bouffes une pomme, t'es content. En plus c'est trop bon les pommes, sincèrement. Pomme bien acide, là j'adore ça. Pomme rouge bien grosse, bien acide. Faut que je fasse gaffe, sinon elles sont fous, je vais encore record de ma voix quand je dis des trucs comme ça, enculé. Bon c'est pas grave, c'est quand même marrant, je dois admettre. Ouais du coup, bah voilà... C'est pour ça que moi niveau Pokémon j'ai eu jaune. Et à l'époque moi je m'en foutais des types, je faisais que jouer, voilà. Moi je jouais sans me prendre la tête, j'étais content, oh, j'avais Pikachu qui me suivait partout, j'étais content. Et voilà, je m'en foutais, je jouais. Et c'est en fait beaucoup plus tard j'ai eu Ruby. Voilà, donc j'ai pas rejoué de Pokémon jusqu'à Ruby, déjà, pour tout vous dire, on m'avait filé Mew dans Pokémon Jaune avec en me le clonant. Et moi j'avais fini le jeu avec Mew, j'étais content, ah, j'ai tué tout le monde avec Mew. Mais ouais voilà, oh putain ils me font très mal les Pokémon, faut que je me méfie. C'est pour ça que j'ai Volvi. C'est bien que je sois un arco parce que Volvi ça va m'être utile en début de jeu, sincèrement. Le jeu est simple, mais le début on peut dire que si on fait pas gaffe, on peut facilement faire avoir. Oula. Volvi ça va vraiment me sauver la vie, si je puis dire. Bref, donc comme je disais justement, ensuite, beaucoup plus tard, j'ai eu Ruby à Noël. Et quand j'ai eu Ruby, là encore, je ne me préoccupais pas encore des types. Je prenais les Pokémon qui me plaisaient, je jouais tranquillement. Ah, Pokémon, c'est trop bien! Et c'est seulement, on va dire, depuis Diamant Perle, parce que par la suite, même si je pensais ne plus rejouer au Pokémon après Ruby, bah, je sais pas pourquoi, mais à la sortie de Diamant, une envie de jouer à un Pokémon m'a pris. Et vu que je trouvais quand même Dialga beaucoup plus classe que Palkia, j'ai pris Diamant. Et du coup, c'est un peu, mine de rien, Diamant qui m'a relancé dans les Pokémon. Après, oui, je sais qu'il y avait l'escalier, mais parfois je me prendrais un peu des étages histoire de parler plutôt que de directement foncer à la suite. Parce que c'est pas forcément bon de tout le temps rusher dans les donjons. Hein. Faut aussi faire un peu d'XP des fois. Parce que bon, par moment, on peut se faire tuer dans les donjons et c'est chiant. Parce que oui, vous inquiétez pas, je finirai pas le jeu sans jamais me faire tuer. Hein. Ça, c'est clair et net. Du coup, ce que je dis, c'est qu'après, après Diamant, ensuite, j'ai pu rejouer à des Pokémon jusqu'à Noir Blanc. Noir Blanc était sorti, tout le monde l'avait fait, tout le monde disait ouais, c'est le renouveau des Pokémon, Noir Blanc, ça relance enfin les Pokémon, c'est aussi bon qu'à l'ancienne. Bah c'est cool parce que tout le monde, je sais pas si vous avez suivi, mais tout le monde s'était plein de Diamant Perle à l'époque où il est sorti. Diamant Perle qui au passage est un Pokémon extrêmement lent et moi ça m'a toujours un peu saoulé la lenteur de ce jeu, bref. Même si à l'époque où je l'ai fait, je m'en rendais pas trop compte, je m'en foutais encore un peu quoi. Le truc qui s'est passé justement, c'est que bon j'ai pas fait Noir Blanc à leur sortie, je m'en foutais un peu de ce que disait tout le monde, moi j'étais pas encore en phase où j'avais envie de jouer à Pokémon. Et c'est plus tard dans la conv Skype, quand on a invité Jibas, il parlait avec Alsonfous de Pokémon, Shizuma pareil. Et moi je me suis dit puisque c'est comme ça, moi je vais m'acheter un linker, donc à l'occasion j'ai eu mon premier linker, voilà donc sachez que c'est très récent. Là attendez, je reste de me faire buter. C'est quoi, je vais utiliser un objet. Hop, parce que si je reste comme ça, je vais me faire buter. Alors attendez, info, Beoran, restore des PV, voilà, c'est ça qu'il me faut. Manger. Je suppose évidemment qu'il va pas avancer. Ah si, parfait. Je pensais pas qu'il serait assez bête pour avancer, mais bon, c'est son problème. Allez, pourquoi je le rate? Ah, je suis sûr que son attaque m'a foutu une altération d'état et que j'ai pas fait gaffe. Bon, c'est sûrement ça, bon, pas grave. En tout cas, c'est une altération d'état que j'essaierai. Oh, de toute façon, il y a la sortie, donc c'est bon. On est à l'étage moins 4, faut aller au moins 6, on va essayer de se dépêcher. On va essayer de se dépêcher. Justement, j'ai fait Noir Blanc sur le linker. Et sincèrement, Noir Blanc, je l'ai adoré. Je me suis éclaté, je crois vraiment, je pense que c'est le premier Pokémon depuis Jaune où j'ai vraiment pris mon pied en y jouant. Je m'étais jamais autant éclaté sur un Pokémon depuis, vraiment, c'est... Enfin, quoi que c'est vrai qu'à l'époque, j'avais quand même vraiment adoré Ruby, mais... Mais maintenant, en fait, vous voyez, Ruby, je sais que je reprendrai pas autant de plaisir à y jouer que j'en ai pris à l'époque. Ça j'en suis sûr. Pour ça que j'ai pas trop envie de dire jouer pour tout vous dire. Mais Noir Blanc, je l'ai adoré. Et ensuite, il y a eu Noir Blanc 2. Alors, Noir Blanc 2, tout le monde le suçait. Quand il est sorti, tout le monde dit ouais, tu peux choisir entre plein de Pokémon, t'as plein de choix dès le début, c'est trop cool. Mais vraiment, Noir Blanc 2, je l'ai fait, mais j'ai eu du mal à avancer. Je l'ai fini, hein, sincèrement, mais j'ai eu du mal. Je l'ai trouvé chiant. J'ai pas aimé Pokémon Noir Blanc 2. À l'instar, vous savez quoi, en fait, j'ai pas envie de donner mon avis sur Pokémon Noir Blanc 2 ici. J'ai limite envie de faire une vidéo juste pour ça. Donc,
Wait and see, on verra si je fais une vidéo dessus plus tard, hein. Ce sera la surprise, mais en tout cas maintenant j'ai pas envie d'en parler. Je garde la surprise pour... Savez quoi, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait quand j'ai fini Xenoblade une vidéo où je donnais mon avis dessus, où je disais ah c'est trop bien ça, j'ai bien envie de refaire d'autres vidéos comme ça, c'est-à-dire où je reste genre que sur l'écran de titre d'un jeu, et je fais que parler, dire mon avis sur le jeu, mais très brièvement, c'est-à-dire assez pour donner mon avis, mais sans pour autant rentrer dans les détails ou ça, juste vraiment donner mon avis et basta. Donc je pense que je referai ça, j'ai bien envie d'ailleurs de le refaire pour Noir Blanc 2, je verrai, je suis pas sûr que je le fasse pendant, vu que là je viens d'avoir l'idée, vous voyez, je verrai, je pense pas le refaire direct, mais on verra. Dans tous les cas, sachez que je n'ai pas aimé Noir Blanc 2, donc c'est quand même une grosse déception par rapport au premier Noir Blanc. D'ailleurs c'est pour ça que ça me fait un peu, enfin je trouve ça un peu triste que Kratos fasse Noir Blanc 2 en Wokfu, j'aurais préféré qu'il fasse Noir Blanc, parce que je suis sûr, il aurait préféré Noir Blanc lui aussi, hein, sincèrement, Noir Blanc 2. Même quand je vois ces vidéos, je me dis putain, mais tout ce que tu te plains dans Noir Blanc, c'était déjà moins chiant quoi. Parce qu'en plus, d'ailleurs, ça m'a fait. Mais Kratos dans son Wokfu, il se plaint. Oh là là, le jeu il est loin à commencer. Mais je trouve que de tous les jeux Pokémon, c'est celui qui débute le plus rapidement. La vitesse à laquelle on a les chaussures, la vitesse à laquelle on atteint la première arène, la vitesse à laquelle on a notre premier Pokémon. Vraiment, je trouve Noir Blanc 2 est très rapide à ce niveau-là. C'est pour ça que Kratos se plaint. Et je me suis dit, attends, tu te plains que c'est long. Mais je me suis dit, attends, mais dans les premiers Pokémon, c'était beaucoup plus long. Parce que tu te faisais chier avant d'atteindre la première arène et avant d'avoir les chaussures. T'allais jusqu'à la première arène et après t'avais les chaussures. Sachant que la première arène pour la faire, si t'avais pas capturé un Pokémon haut, enfin non, si t'avais pas choisi un Carapuce en starter, moi je me rappelle que la seule solution que j'avais trouvée à l'époque, je sais pas s'il y en a d'autres que j'ai pas fait gaffe, mais c'était de capturer un Crisacier et de le faire évoluer en Papillusion. Et c'est grâce au Papillusion que moi je battais le Onyx de pierre, sinon j'arrivais pas à la première arène. Parce que moi je vous rappelle que j'avais jaune, et c'est pas avec le Pikachu que j'allais défoncer son Onyx ou son Rakaillou, hein, loin de là. Donc bah, la seule solution que j'avais trouvée c'était capturer un Papillusion et le faire XP. Capturer un Crisacier, le faire XP et battre la ligue, enfin le pierre avec. Donc c'est pour ça, je trouve qu'on mettait du temps avant d'atteindre les chaussures et que le jeu commence vraiment. C'est pour ça, bah, Kratos c'était plein, c'est long, mais moi je trouve pas ça long, quoi, je trouve c'est rapide. Mais dans tous les cas, tout ça pour dire que voilà, quoi, j'ai pas aimé Pokémon Noir Blanc 2 et que je reviendrai sûrement sur le sujet du pourquoi du comment. Oh, allez voilà, sortons là de là. Bzzz, nos corps sont séparés, bzzz, joie, bzzz, bzzz, bzzz. Ouais, bzzz. Ouais, bzzz, bzzz. Soyez reconnaissants, vous deux, bzzz. Vous les avez sauvés, merci. D'ailleurs, et son équipe reçoit 500 Poké récompenses. Voilà, là, des Poké dollars. Et reçoit aussi Résurgigraine. Résugraine, pardon. C'est un objet pour rendre vieux Pokémon qui sont décédés dans un donjon. Effectivement. L'équipe reçoit aussi Befrève. Mais bien sûr, ça marche pas si c'est notre leader qui crève. Je suis content que le sauvetage se soit bien passé aujourd'hui. Comme c'était notre premier travail de secouriste, je dois dire que j'étais vraiment nerveux. Je suis épuisé maintenant, je vais rentrer dormir. On devrait faire aussi bien demain, au revoir. Et voilà, donc on va se warder, même si en tout cas ça sert à rien, vu que voilà, la sauvegarde va échouer. Et on va normalement voir un peu le début d'histoire se lancer, parce qu'on sait rien, bah voilà, faut quand même que ça commence, quoi. Et notre Arco va faire des rêves. Enfin, notre Arco en soi, c'est censé être moi. Normalement, vous voyez, vous, vraiment, je vous invite, si vous n'avez pas fait le jeu, à faire le jeu en vous identifiant au personnage principal. Vu que le personnage principal... Enfin, moi, perso, parce que je fais toujours ça, mais les jeux, j'essaye de m'identifier au personnage principal. Mais vraiment, ce jeu-là, c'est typiquement le genre de jeu à faire en s'identifiant au personnage principal. Si vous le faites pas, je pense que vous n'arriverez pas à prendre autant de plaisir à jouer au jeu que quelqu'un qui s'amuse à s'identifier au héros. Parce qu'en plus là vraiment on nous pousse à croire que c'est nous le héros, vu que au début on nous pose carrément un questionnaire pour que le Pokémon s'adapte à nous. Où suis-je? Peut-être est-ce un rêve? Oh, il y a quelqu'un. Qui est-ce? Quelqu'un que je connais? Je n'arrive pas à me rappeler. Bon, pas trop d'informations à ce niveau-là, vous voyez que notre héros... fait des rêves étranges. Je crois que j'ai fait un rêve, mais je n'arrive pas à m'en souvenir. Allez, je n'ai pas que ça à faire. J'ai des Pokémon à sauver. Je me demande si j'ai du courrier. Je vais dans la boîte aux lettres regarder. Donc voilà, chaque jour en fait, ce sera comme ça, c'est-à-dire qu'on finira une mission et on ira se coucher. Le jeu recommencera. On devra sortir de notre maison. Mais nous, on va s'arrêter ici. Et j'ai au passage, je vous dire un truc, un dernier petit truc juste avant qu'on se quitte, c'est que durant ce Wokfu,
Si vous vous souvenez bien, vu qu'à la base c'est Alessandro qui m'a proposé de faire le jeu, que je lui ai dit ouais, mais ça va être comme Tales of Symphonia, tu vas rater au début, après t'en auras plus rien à foutre. Et il m'a dit mais non, t'inquiète pas. Et du coup, pour prouver qu'il va rater toutes ses vidéos, il m'a dit eh bah, puisque c'est comme ça, dans chaque vidéo, dis un mot précis en me précisant que je dois le dire dans les commentaires. Et Alessandro devra le redire dans les commentaires ce mot pour prouver qu'il regarde bien la vidéo. Donc, première vidéo, je suis gentil, je le dis à la fin de la vidéo, voilà, Alessandro, tu es au courant. Le premier vidéo de... Alors, souvenez-vous que c'est que Elson Fous qui a le droit. Seul Elson Fous a le droit dans les commentaires de dire ce mot. Vous, vous êtes interdit de dire ce mot, compris? C'est que pour Elson Fous, pour me prouver qu'il me nique pas et qu'il a bien vu la vidéo, voilà. Alors, Elson Fous, le mot de cette première vidéo, ce sera... Sneakers. Parce que j'en ai un à côté de moi, voilà. Donc sur ce, les gens, moi j'espère que bah, ce début de War Fu vous plaira. Et puis je vous dis salut à tous, à la prochaine pour de prochaines vidéos sur Pokémon Dungeon Mystère, équipe de secours rouge. Salut les gens!